Mesdames, Messieurs, plus de 40 milliards de francs. C'est le montant que le Conseil fédéral engage à court et moyen terme pour soutenir l'économie et aider ceux qui sont directement touchés par cette crise exceptionnelle. Notre économie a subi un coup de frein historique. Nous sommes tous concernés et devons rester solidaires. Avec cet argent, le Conseil fédéral veut défendre l'emploi, assurer le versement des salaires, et offrir une couverture partielle aux indépendants dans le besoin. Le Conseil fédéral s'appuie pour cela sur des instruments qui ont fait leurs preuves, en particulier le chômage partiel et des cautionnements de crédit pour les entreprises. Mais leur portée sera étendue et leur usage facilité. De nouveaux instruments seront mis en place pour aider ceux qui ne sont pas couverts par les assurances sociales existantes. Il s'agit là de certaines catégories d'indépendants et de travailleurs du secteur culturel et artistique. Des facilités et des aides financières supplémentaires sont prévues dans les secteurs sportifs et touristiques et pour soutenir les institutions culturelles. L'aide est là. Il y aura des délais, mais je vous le promets. Les difficultés seront résolues et elle arrivera. Nous y travaillons. En attendant, je vous demande patience confiance et solidarité. Ensemble, nous passerons cette crise.